N'importe! Vous avez trouvé facilement? J'ai suivi les flèches. Monsieur le directeur, venez voir! Et voilà! Magnifique, non? Qu'est-ce que c'est? Une douche individuelle! Adieu les douches collectives! Nous allons rendre aux détenus l'intimité et le sourire! Et le sourire! Et le sourire. Suivant. J'ai un plan. Qui dit douche, dit canalisation. Et qui dit canalisation, dit... Qui dit canalisation, dit évacuation. Et qui dit évacuation, dit... Évasion? Quoi? C'est pas ça? Qui que tu sois, sors du corps d'Avrel! Hey, vous arrêtez ça, vous me faites peur! Continuons. Nous allons nous évader en passant par les conduits d'évacuation. On va s'évader sans faire de trous? Plus besoin, il est déjà fait. Ils sont là! Ils sont venus de leur planète pour me chercher. C'est parti! Oh, c'est trop étroit! Aidez-moi! Pas avec la pelle! Utilisez votre tête! Laissez tomber, c'était une image. Il me faut du savon! Ça ressemble à ça, du savon? C'est tout ce qui reste! Avrel a mangé le reste. Bon, opération récupération de savon. Je veux un tas grand comme ça. Sans vouloir te vexer, ça c'est pas grand, hein, c'est petit comme ça. Non? On échange ton savon contre ce gros nonos. Vous perdez votre temps, je suis incorruptible. Je suis faible. On va pas y arriver comme ça. Changeons de stratégie. Une commande de savon? C'est que ça en fait de la surface à laver. On est quatre, comptez, ça fait 8 bras, 8 jambes, 8 pieds. L'hygiène corporelle est la mère de toutes les vertus. Il faut encourager, monsieur le directeur. Vous avez raison. C'est bon, ça, l'hygiénitude. Ils vont aimer à Washington. Encourageons. Le savon. Oh. Oh, c'est gâché, on aurait pu faire un de ces gueuletons. Allez hop, à la douche. Ils essayent de pénétrer mon cerveau. Je ne dois pas les décevoir. Cette fois, ça va glisser tout seul. Ça marche! Si j'étais quelqu'un d'autre, je m'admirerais. Où êtes-vous? Par ici, imbécile! C'est par où, par ici? Par là! Ah ben, fallait le dire! Personne n'a un tuyau pour sortir d'ici? C'est ça, faites du mauvais esprit! Ah!
Ça change des signaux de fumée? Personnellement, je ne lis pas les bulles. Ça marche! Ça marche! Non! Pas par là! Non! C'est pas juste! 10 dollars sur Joe. Tenu! Non, pas les fusils! N'allez pas m'abîmer du détenu à vie! C'est rentable sur 120 ans, ça! On l'a fait en 3 coups! Ce sont eux! Oh, être de lumière, emmenez-moi! Je suis prêt! Allez, retournez en cellule où je vous passe un savon! Quant à cette chose, démontez-moi ça tout de suite et n'en parlons plus. Monsieur le directeur, si vous le permettez, j'ai bien une idée quant à l'utilisation de l'objet. Pas de nouveaux frais. Ouais! Discontrôle sur les bleus! Jenny! J'ai un plan! Fraternitude, modernitude, sécuritude et rentabilité. Chers actionnaires, voici les maîtres mots de ma politique carcérale. Une mitrailleuse! Vite! Je dois protéger le directeur! Vous allez pouvoir visiter ce havre de paix et de tranquillité. Bougez pas, monsieur le directeur, je contrôle la situation. Enlevez-moi ces chiens! Je m'en occupe, monsieur Tagliatelle. Ça tourne, ça tourne! Chers actionnaires, vous avez eu un aperçu de la vivacité de notre chien de garde. Coupez! Elle est bonne! Magnifico! Mais pour donner de la vérité au film, j'ai besoin d'une détenue pour les premiers rôles. Qui me conseillez-vous? Chers amis, je vous présente le célèbre réalisateur de cinéma, Hectorius Tagliatelle. Pardon, pousse-toi, toi. Il est venu tourner un film promotionnel pour notre pénitencier. Alors, nous avons Charlie Caridas, le tricheur du Kansas, Billy the Bill, le voleur de foie de bison, Nick Mouse, l'avaleur de diligence. Cherchez-vous, la star ici, c'est moi. Mais il est parfait. Oh, les petits tiramisu, toi, un nez qui prendrait bien la lumière, un sourire de Casanova et la petite moustache. Voici maintenant notre activité culturelle principale et rémunératrice, la sculpture à la pioche. Et c'est Joe Dalton qui va nous en parler. Allez, allez, ça tourne! Bonjour, c'est moi, Avril. Regardez ce que j'ai fait! Dégage, imbécile! La requête ici, c'est moi! C'est moi! Ok, on va la refaire. L'une des priorités de notre pénitencier est d'offrir à nos hôtes une nourriture saine et équilibrée. Faites comme moi. Je vais me régaler. Je me régale. Comme dessert, on a quoi? Mais que nature, que présence! On l'a refait avec la doublure du tiramisu. Nos cellules sont parfaitement équipées pour le repos du prisonnier. C'est alors que Dynamite Kid mit le feu à la mèche et s'enfuit au galop. La suite demain. C'est en effet très confortable. La suite, la suite, la... Coupé, coupé, grandiosissime, bouleversifiant. Mais tu crèves les grands dans mes bras que je vous embrasse. Enlevez-moi ces chiens! Oh merci Joe, grâce à toi j'ai décroché le premier rôle! Je suis du prisonnier modèle! Tu devrais avoir honte, Avril! Ouais, si Ma entendait ça...
Prisonnier modèle, prisonnier modèle. Je tiens un scénario. Et si on devenait plutôt évadé modèle? Je dis quoi à mon public, moi? Bravo, Joe, bravissimo! Vous êtes un acteur lamentable, mais vous êtes un scénariste de génie! Votre idée est merveilleuse! Ça va être la scène chaude du film, l'évasion de Dalton! Et surtout, l'arrestation des Dalton. Vous ne pensez pas que les Dalton vont en profiter? Ne vous en faites pas, j'ai mon idée. Évasion des Dalton, première! Oui! Regardez autour de vous! On va peut-être vous attraper! Oui, c'est ça! Creuse et creuse! Ok! Maintenant, jetez les pelles! Adieu! Oh, cruel pénitencier! Oh, tu sautes! Adieu! C'est ça! Coupez! Coupez! Ah, quelle belle scène ça va être! Allez, tout le monde, rassemblement dehors! On va les filmer à la sortie du tunnel! Réfléchissez! On va pas suivre le scénario au pied de la lettre! Y'a plus personne à l'intérieur, si tout le monde est dehors, et s'il y a plus personne à l'intérieur! Y'a plus personne pour nous empêcher de sortir! Si ça, c'est pas du scénario! Si on n'est pas arrêté, je lui dis quoi, mon public inquiet? Justement, tu seras un mythe, une légende vivante! J'ose pas y croire, c'est trop beau. Il y a même des chevaux qui nous attendent. En route vers la liberté! On a réussi! Merci, merci, public. Formidable scène d'évasion. Ça y est, je viens de comprendre ton scénario, Joe. Alors là, bravo, hein. Oh, j'étais dedans, là. Il m'énerve. Ma perfetto! Le tiramisu, il se réveille enfin! Est-ce que ça tourne encore, là? Oh, vous savez, le star caractériel, on en est revenu. Méchante mitrailleuse! Et voilà, hors d'état de nuire! Il m'énerve! Thank you.